la CDA ou la CEAC, l'EAC, l'UANEPAD et la SADC ont évoqué la question économique liée à l'accélération de la zone de libre-échange continental africain. Le détail dans un instant. Également au sommaire de ces 7 heures, le bureau de la CENI reste encore ouvert pendant 7 jours. La Commission électorale nationale indépendante donne une semaine de plus pour le dépôt des candidatures à la députation nationale pour les élections générales prochaines. Et ça commence déjà à se bousculer dans différents BRTS à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Les images dans ce journal. Et enfin, après 8 ans d'absence, le Festival panafricain de la musique est de retour à Brazzaville et jusqu'au 22 juillet prochain. Le coup de ce festival a été donné par le président congolais Denis Sassou Nguesso au mythique stade de Alfonso Massamba Déba. Au moins 17 pays sont représentés à cette 11e édition qui a pour thème la rumba congolaise. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la Radio-Télévision nationale congolaise. Les 5 communautés économiques régionales et mécanismes régionaux africains étaient autour d'une table, je le dis au sommaire, hier dimanche à Nairobi au Kenya, dans le cadre d'une 5e réunion de coordination de l'Union africaine. Les chefs d'État représentants de la CEDEAO, la CEAC, l'EAC, l'UANEPAD et la SADC ont évoqué la question économique liée à l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans un format à huis clos, le président d'exercice de la SADC et président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté les prouesses réalisées par son institution dans différents domaines. Plus de détails avec Giscard Koussema. Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe entre son bureau et les présidents des 5 communautés économiques régionales. Cette année, les présidents de la CEDEAO, Bola Tinubu, son collègue de pays sahélo-sahélien, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, Abdel Fattah Al-Sisi pour l'UANEPAD et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et a appelé les autres États retardataires à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, William Ruto, et les présidents de l'Union africaine, Azali Assoumani. Président en exercice de la SADC, une des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace SADC sur les plans social, commercial, infrastructurel et politique. Il a appelé ses pairs à doubler d'efforts pour réaliser les rêves de l'intégration sur les continents africains. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. En marge de cette réunion de Nairobi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Ruto, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies, Amina Mohamed, et avec l'envoyé spécial du président de la République des Corées du Sud. Plus d'inquiétude et l'espoir est désormais grand. Le 9e jeu de la francophonie démarre à Kinshasa le 28 juillet prochain. À 12 jours de ces grands rendez-vous culturels, le site de CG sont déjà disponibles. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu avant-hier les clés de tous ses ouvrages. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Stade de Martyr. Et pendant ces temps, certains athlètes prennent déjà connaissance de leur nouveau terrain. Vous le verrez en image avec Patti Tondouango, Bienvenue Loussala et Julien Piana. Plus de doutes possibles,
Les 9e Jeux de la francophonie démarrent bel et bien à Kinshasa le 28 août de cette année. Le samedi 15 juillet 2023, au Stade des Martyrs, dans la soirée, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a lancé la campagne de communication pour l'appropriation de ces jeux par la population congolaise. La musique était au rendez-vous pour agrémenter cette soirée qui annonce les couleurs de la francophonie à Kinshasa. Je placé sous les signes de l'espoir, affirme le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Du 28 juillet au 6 août 2023, au Stade des Martyrs et Tata Raphaël, les athlètes qui ont en commun la langue française vont s'affronter dans différentes disciplines. Il est prévu durant ces 10 jours, 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique, communément appelée Nzango, et des festivités des galas. Je le disais également au sommaire, après 8 ans d'absence, le festival panafricain de la musique FESPAM est de retour à Brazzaville et jusqu'au 22 juillet prochain. Le coup d'envoi de ce festival a été donné par le président congolais Denis Sassou Nguesso au mythique stade Alfonso Massamba Déba. Au moins 17 pays sont représentés à cette 11e édition qui a pour thème la rumba congolaise. Plus de détails avec José Baïtombre. Que la fête soit belle, c'est en ces termes que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a lancé la nuit tombée du samedi 15 avril à Brazzaville, la 11e édition du Festival panafricain des musiques, FESPAM. Une cérémonie d'ouverture haute en couleur après l'exécution de l'hymne de l'Union africaine, le député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Baltimba, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations de pays invités avant de céder la parole aux organisateurs pour leurs différentes allocutions, notamment celle du commissaire général du SPAM, Hugues Gervais Ondaye, et puis du représentant de Madame la directrice générale de l'UNESCO, Paul Couster, et de Madame les ministres de l'Industrie culturelle, touristique et de loisirs de Brazzaville, qui a réitéré la bienvenue au festivalier avant d'ajouter que le FESPAM est une expression d'amitié envers le pays frères et sœurs. La soirée d'ouverture de cette 11e édition a débuté par un show chorégraphique liant la tradition à la modernité, donné par une pluralité des groupes tradis modernes, des spectacles, des musiciens congolais et ceux de l'étranger comme celui de Ferregola de la RDC qui a donné du tonus au show avec une sortie par un a cappella avant d'entamer la chanson Jugement puis Vita Imana dédiée au couple du président congolais était au rendez-vous. Au moins 17 pays participent à cette messe culturelle. Ce festival avait été réclamé par tous depuis 8 ans. Il est enfin de retour au lendemain de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette édition est consacrée sur le thème « La rumba congolaise, envol de la base identitaire vers le vertice du patrimoine de l'humanité ». Le FESPAM va se dérouler jusqu'au 22 juillet prochain sur 5 sites à travers la ville. Découvrons ces communiqués venus du FRDC. Les forces armées de l'RDC alertent l'opinion nationale et internationale sur le massacre dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 des populations civiles de Bukombo et des localités environnantes par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Au total, 11 jeunes civils, tous de sexe masculin, utilisés comme des porteurs par ces terroristes, ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline des Rubona. Ces énième massacre intervient après celui des 7 femmes et enfants du 4 au 5 juillet 2023 à Bougoucho, toujours en territoire de Rutshuru. Ces terroristes du RDF M23, au lieu d'observer les cessez-le-feu et les cantonnements imposés par la feuille de route de Luanda et les décisions du sommet de chef d'État de gouvernement de Nairobi, s'obstinent à défier les institutions régionales et la communauté internationale. Face à cette situation, les FARDC, malgré la trêve observée pour donner la chance au processus de paix initié par la sous-région, continueront à dénoncer les actes terroristes perpétrés
continuellement par le RDF-123 sur nos populations, faite à Kinshasa le 16 juillet 2023, et Kenge Boumoussa Sylvain, général-major et porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est désormais terminé avec la 6e session spéciale du Collège de hautes études des stratégies de défense. Les participants à ce colloque international sur le bassin du Congo et les changements climatiques ont réfléchi et proposé des solutions réalisables en rapport avec ces mutations climatiques, comme nous dit Nicole Sesseplouka dans ses reportages. Durant 3 jours, plusieurs personnalités politiques et militaires ainsi que des auditeurs, notamment ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont démontré que jamais les mutations climatiques ne peuvent dépasser le génie humain lorsque ce dernier est engagé et déterminé à trouver des solutions. Cette détermination des participants à ce colloque international sur le bassin du Congo et les changements climatiques a été reconnue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. La question environnementale, le savons-nous, est aussi vaste et complexe qu'on ne saurait l'exploiter dans ses coins et recoins. Grand est donc notre étonnement. Constater que les éminents intervenants nous l'ont en si peu de temps résumé. Devant cette générosité scientifique, nous ne pouvons que remercier les panélistes et promettre en tant qu'auditeurs et décideurs d'être cette bonne terre qui multipliera la semence et surtout qui transformera les préceptes en pratiques pour l'équilibre environnemental du monde en général et de la communauté économique des pays des Grands Lacs en particulier, gage de son développement. Vous conviendrez avec moi que de ce moment de réflexion, l'auditeur attentionné aura retenu le devoir de la réussite et la passion de l'excellence. Ce colloque international sur le bassin du Congo et les changements climatiques est l'une des activités marquant la fin des enseignements de la 6e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Les bureaux de la CENI restent encore ouverts pendant 7 jours. La Commission électorale nationale indépendante donne une semaine de plus pour le dépôt des candidatures à la députation nationale pour les élections générales prochaines. Et ça commence déjà à se bousculer dans différents bureaux de réception des traitements des candidatures à Kinshasa, tout comme en Ituri et au Lualaba. Jean-Richard Coilé nous fait la ronde de toutes ces provinces. La Commission nationale électorale indépendante, CENI, a prorogé de 7 jours l'échéance du dépôt des candidatures à la députation nationale sur toute l'étendue de la République, ce qui a donné l'occasion aux candidats à la députation nationale de continuer à déposer leurs dossiers aux différents bureaux de réception et de traitement des candidatures de la CENI à la réponse à un appel pressant de la population. Freddy Kita, vice-ministre honoraire du plan pour le compte du parti Action pour l'Unité nationale, a déposé sa candidature au BRTC comme candidat aux législatives dans le district de la Founa. Il a à cette occasion lancé l'appel à ceux qui traînent les pas pour suivre le train des élections des gens en marche. Comme l'exige la Constitution de la République, donc bientôt nous approchons des échéances comme le mouvement politique Action pour l'unité nationale. Nous sommes venus accomplir ces devoirs. Nous demandons aussi à ceux-là qui hésitent, nous leur disons clairement que le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection dans ces pays. Donc nous, en tant qu'Action pour l'unité nationale, nous nous préparons pour accomplir ces devoirs. Nous sommes suffisamment représentés à travers toute la République et nous osons croire que la victoire est certaine. Dans différentes provinces, la CENI enregistre aussi des dépôts des candidatures. En Ituri, Jean Bamani Sassaïdi et Maître Joseph Keta ont déposé leur candidature à la députation nationale pour le compte du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces derniers mettent en exergue le service au peuple. Dans les Lualaba, plus précisément à la localité de Mouchacha, le professeur John Toka, directeur de cabinet du gouverneur Fifi Masuka et haut cadre du parti FIDEC, Fonds des indépendants pour la démocratie chrétienne, a déposé sa candidature à la députation nationale. Il s'est dit prêt à battre campagne à l'américaine pour une victoire écrasante du chef de l'État aux élections présidentielles de 2023. À Tchikapa, dans la province du Kasaï, ou Maniema aussi, les rues étaient également en ébullition. Des milliers de combattants ont accompagné leur candidat à la députation nationale au bureau de la CENI pour déposer leur dossier. Regardez.
accueilli ces jours à l'aéroport national de Tchikapa par une marée humaine composée de militants et membres de sa fondation Diallo Mbeba Kalumba Diwabula a été contraint de faire le pied de l'aéroport de Tchikapa en passant par Dibumba pour chiter à Kélé, lieu prévu pour un meeting populaire. Prenant la parole, c'est au cadre du parti politique Mouvement de la Libération du Congo, cher à Jean-Pierre Mbemba, n'a pas caché sa joie devant sa base naturelle. Signalons en passant que Diallo Mbeba est candidat aux législatives nationales de 2023. En toute sérénité, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afan Idriss Mangala, est allé ce 15 juillet au bureau de la CENI pour déposer sa candidature à la députation nationale 2023, partie du siège de la Fédération urbaine de l'UDPS Tshisekedi à Kindu, accompagné d'une marée humaine en liesse, signe d'assurance et de soutien pour une victoire imminente. Le candidat porte-étendard et ticket de l'UDPS au Maniema a traversé toutes les grandes artères jusqu'au bureau de réception et de traitement des dossiers implantés au secrétariat de la CENI du Maniema. Cette foule immense de la population du Maniema, potentiel électeur à la faveur d'Afani Idriss Mangala et de Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle, est l'un des signes qui ne trompe pas, comme pour dire qui est derrière toi pour que tu affiches l'optimisme. Il faut être Afani Idriss Mangala. Autre chose à présent, direction la province du Sud Kivu. Après la catastrophe des Calais qui a coûté la vie à une centaine de personnes et causé d'énormes dégâts matériels, l'heure est à la reconstruction. Les grosses pierres, les troncs d'arbres et les sables laissent place à la route qui permet aux humanitaires de rejoindre plusieurs camps, de déplacer des efforts de l'État salués par la population. Suivant. Dégagement des matériaux d'IR, notamment grosses pierres, morceaux d'arbres et bourbiers charriés par la catastrophe naturelle qui a coûté la vie à des milliers de personnes et la destruction de biens. Aujourd'hui, les humanitaires et les usagers de la RND sont contents de quitter la ville de Bukavu par la route jusqu'à Nyamukubi en passant par Abouchouchou et Luchéberi. À travers M. Martin Kaoundahounda, président des sinistrés de Calais, les sinistrés de la catastrophe naturelle du 4 au 5 mai dernier, Abouchouchou et Nyamukubi en territoire de Calais, disent merci au gouvernement central pour ses travaux provisoires qui ouvrent les couloirs humanitaires par l'office des routes des mois après. Et à Bouchouch, il n'y avait plus passage. C'est qu'il n'y avait pas accès d'accéder à un demi-kilomètre. Il fallait seulement traverser par le lac pour atteindre l'autre côté de la rivière. Et jusqu'à présent, depuis qu'on a amorcé les activités d'ouverture de la route, déjà il y a passage qui commence à se voir. Donc le directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'ingénieur Anissé Kakesa-Tambo, rend hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de réunifier la RDC par route, au premier ministre Sama Lukonde qui a débloqué le moyen au directeur général de l'Office des routes, Jeannot Kikangala, pour les suivis, ainsi qu'au gouverneur des provinces, Théo Ngwabi Djekassi, pour les plaidoyers menés auprès des autorités nationales. Vous voyez vous-même, les gens ne passaient pas. Mais aujourd'hui, les gens commencent déjà à arriver à Niabibwe. Mais nous sommes en train d'améliorer par le rechargement. On rend hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa vision de relier les provinces de la République démocratique du Congo. Ces travaux ont été lancés par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyeng le samedi 27 mai dernier, afin de permettre aux humanitaires d'accéder facilement au site des sinistrés et par route. Plusieurs années après avoir quitté les bancs des universités, six professeurs belges, tous de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ARES de catégories différentes viennent d'être honorés à l'Université de Lubumbashi. Ils ont reçu chacun des insignes et les titres de docteur honoris causa pour avoir participé très significativement à la formation de la relève académique depuis des années 2000. Suivant. Organisé par l'Université de Lubumbashi, l'Université libre de Bruxelles et l'Institut de médecine tropicale avaient pour sous-thème les universités face aux défis de la santé et de la gouvernance urbaine en Afrique dans le contexte post-Covid-19. La cérémonie de clôture a été marquée par un événement inédit dans l'histoire du partenariat entre l'UNILU et les universités belges. Il s'agit de l'octroi du doctorat honoris causa de l'université de Lubumbashi à l'ARES et au VLIRIOS. Après les témoignages des parties prenantes dans cette coopération, le jury composé des professeurs Malunga Kaj, Antoine Chitungu,
Pascal Kapangama, Ngongo Louembwe et César Koukou a examiné et argumenté le dossier du doctorat honoris causa et demandé l'octroi à chacune de ces deux institutions. C'est à juste titre que le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de l'UNILU, a donné la valeur de cette reconnaissance à travers la remise du doctorat honoris causa de l'Université de Lubumbashi à ces deux institutions et non à des personnalités comme il en est de coutume. À partir de ce doctorat honoris causa, nous savons tous qu'il y a du chemin encore à faire et que les perspectives indiquent que nos universités seront plus rayonnantes et plus lumineuses à travers toujours ce partenariat. La leçon d'aujourd'hui mérite qu'elle soit portée par chacun d'entre nous, qu'elle soit emportée et transportée partout où nous serons, partout où nous irons. Un honneur pour la professeure Anne Peters, représentante du FLIR IOS, et le professeur Serge Jomain de l'ARES. Un honneur en premier lieu, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'organisation qu'un doctorat honoris causa, le titre plus élevé et plus solennel qu'une université puisse décerner, nous est octroyé. C'est, monsieur le recteur, un grand jour pour tous les amis belges de l'UNILU. Mais c'est aussi une première, puisque l'ARES, une structure qui a été créée en 2014 et qui regroupe aujourd'hui toutes les universités, toutes les hautes écoles, les établissements d'enseignement supérieur des arts et les établissements de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ARES n'a encore jamais reçu une telle distinction. Le président du KU a remercié et salué la coopération entre ces institutions et les universités congolaises. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire que j'ai l'honneur de représenter ici, je voudrais remercier l'ARES et le VLIR, UAS, pour leur appui multiforme aux universités congolaises dans leur ensemble. Les résolutions du colloque. Ils sont au nombre de 7 des nouveaux OPJ à compétences restreintes de la Société nationale d'électricité qui ont prêté serment devant le procureur de la République du parquet des grandes instances de la Gombe. Ils auront entre autres comme mission de rechercher les infractions et déférer leurs auteurs devant les instances compétentes. D'autres détails dans ce reportage de Didjala. À la Constitution et à la loi de la République démocratique du Congo. De remplir fidèlement les fonctions que nous sommes au congé et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Cet officier de police judiciaire à compétences restreintes de la Société nationale d'électricité, SNEL-SA, ont prêté serment devant le procureur de la République du parquet de grande instance de la Gombe, Edmond Issoufa Kanga. Vous êtes désormais appelé à prester comme OPJ. J'ai donc appelé de considérer cet appel à une charge. Et vous êtes donc appelé à servir votre pays avec loyauté, avec dignité et comprendre que la République attend beaucoup de vous. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur et vous dire que ma porte est largement ouverte. La responsabilité leur incombe désormais de rechercher les informations et de déférer leurs auteurs devant les instances compétentes. Ceci répond à une vision managériale imprimée par le directeur général de SNEL-SA, Fabrice Lucindé. Dernier virage de ce journal. L'UDPS, Fédération Mweka Centre, aura très prochainement sa propre parcelle. L'annonce de l'achat de cet espace a été faite par le secrétaire national de cette formation politique chargée des justices et droits humains, Evariste Kalala, qui séjourne dans cette partie du pays. D'autres détails avec notre envoyé spécial, Joël Mabaya, dans un commentaire dans l'Mbikai. C'est une entrée triomphale de la mission de redynamisation des activités de l'UDPS conduite par le secrétaire national chargé de justice et des droits humains dans les territoires de Mweka dans la province du Kasaï. Tout a commencé au village Mbongachala où la population de cette bourgade s'est mobilisée massivement pour réserver un accueil digne à ses filles du terroir
Maître Evariste Kalalakwete. Ici, l'envoyé politique du secrétaire général Augustin Kabuya était obligé d'improviser un échange avec ses sœurs et frères du village de son père. Séance tenante, Evariste Kalala a procédé à la remise symbolique des sacs de ciment et une enveloppe pour les débuts des travaux de construction d'un centre médical moderne. Question de soulager tant soit peu les conditions sociales de ces derniers. De là, le cortège de Evariste Kalalakwete a pris la direction de Mweka Centre où l'attendait une marée humaine. Sur place, le lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été porté en triomphe par les cadres et combattants de l'IDPS. Pour communier avec la base de son parti, Evariste Kalala était obligé de faire la marche jusqu'au lieu du rassemblement populaire. Devant une assistance chauffée en blanc, les jeunes cadres de l'IDPS a galvanisé la foule sur les enjeux politiques de l'ère. Dans la foulée, ce haut cadre de l'IDPS a annoncé l'achat de la parcelle où devant abriter les sièges fédéraux du parti sur fonds propres. Une action qui s'inscrit dans la vision du secrétaire général de doter chaque fédération d'une parcelle pour redynamiser les activités du parti sur l'ensemble du territoire national. Concernant les processus électoraux en cours, Maître Evariste Kalalakwete a rassuré ses interlocuteurs de la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels. Il n'y aura ni dialogue ni glissement car l'IDPS est prête pour aller aux élections et affronter n'importe quel candidat car notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a un bilan à défendre, a-t-il indiqué. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Jonathan Mubalama, Patrick Obapuila. La partie technique a été assurée par Grace Kingambo, Gabi Konga, Émile Zola, Alain Galia, José Dimone Kene, Patrick. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30, Téti Samba. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.